Il y a un petit peu de décalage. Ok, bonjour à tous. Donc bienvenue pour la première épreuve de ce E4Glide qui se situe à Saint-Auban. Donc première épreuve d'une quatrième. Donc c'est la quatrième fois que cette compétition a lieu. L'année dernière, c'était donc en Italie. Cette année, à Saint-Auban, au Centre national de vol à voile. Il y a un petit peu de décalage. Donc les concurrents sont en l'air, ils sont actuellement donc sur le plateau de Puy-Michel, à une altitude qui oscille entre 1600 et 1800 mètres, juste avant le départ, départ qui aura lieu dans 5 petites minutes environ. Donc je suis Emmanuel Fournier, je suis instructeur actuellement au Centre national de vol à voile. Je vais essayer de vous apporter entre guillemets ma connaissance, hein, de la région. Qui est pas, je ne suis pas le plus expérimenté, hein, sur cette région. Il y a des pilotes qui sont bien plus expérimentés que moi, mais ça nous permettra d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe sur une épreuve aujourd'hui qui va être très technique. J'étais en vol il y a environ 1 heure et je peux vous assurer que les conditions sont plutôt moyennes. Ok, bonjour, Mana Cost ici. Donc, je donne un petit coup de main, on va le faire en anglais après pour la partie anglaise. Je suis pilote à Fayence et je suis aussi pilote de planeur FES, équipé de FES, d'un char qui est en vol aujourd'hui aux commandes de Nicolas. C'est le Delta 3. Le Delta 3, Voilà. Nicolas Bernard, oui, tout à fait. Donc, on pourra parler un petit peu de la technologie, des contraintes, des avantages. On fera ça pendant la course. Voilà, tout à fait. Donc, Mana vient d'aborder un petit peu le sujet. Donc, le planeur FES, hein, c'est un nouveau concept, hein. Un planeur avec un moteur électrique, deux petites hélices en moustache là sur le nez. Et c'est un système qui permet, eh bien, on va dire, de prolonger le vol. Il est a priori, si j'ai bien compris, un peu moins efficace en prise d'altitude. Tout à fait, ouais. Là, là, Alors, je... il y a beaucoup de planeurs FES représentés, mais ce n'est pas les seuls. Il y a un Antares qui, lui, a un pylône. Est-ce que c'est le seul, je crois? Oui, c'est le seul, je C'est peux le confirmer. seul. Et prévu d'être commercialisé d'ici très peu, il y a un JS3, je crois, appelé RES, qui est aussi avec un pylône. Je connais pas bien l'Antares. Le JS3 est à décollage autonome. L'Antares aussi, je crois. Et certains des planeurs FES les plus légers, ou certains qui ont des batteries un petit peu plus costauds, peuvent décoller de manière autonome, mais c'est essentiellement un turbo. Et le plus efficace, c'est un vol en palier. D'accord. Donc je te propose d'en venir un petit peu plus tard, hein, sur ce concept de FES. On va présenter aujourd'hui, bah, le circuit qui est prévu par Roger, le chef pilote du centre de Saint-Auban. Et puis vous expliquer un petit peu les règles, donc encore une fois un petit peu différentes des conditions, enfin des règles existantes pour les championnats d'Europe, championnats du monde ou autres. Je te laisse aller. Une petite intro en anglais? Yes. Okay, for the English-speaking auditors, I'm Mana, and here is Manu. So I'm a pilot flying out of Fayence. I know a little bit the area, but not at the competitive level of the guys flying. Manu, you want to say a few words of introduction? Yes, so I'm Emmanuel Fourier, so I'm instructor in Saint-Auban for this summer. I will try to give my experience in the area and to explain you what's happened with Mana. I'm not the best one in this area because of some of a lot of pilots knows very well the southern half, but I will try to explain you with Mana what happened at which decision can take the glider pilot in the moment. Ok, nous voilà donc, eh bien, nous sommes au moment du départ, donc on va enchaîner sur l'explication du circuit. Donc, vous voyez que les pilotes vont passer la ligne. Aujourd'hui, donc, le circuit était donc un départ de Puy-Michel, donc plateau de Puy-Michel, un plateau qui est assez mal vallonné.
Avec une porte de départ limitée à 2000 mètres et une vitesse maximale de 170 km/h. Donc on voit que les pilotes, eh ben, ils doivent être au plafond. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai fait ce qu'on appelle la buse. Et nous avions seulement 1600 mètres de plafond. La météo s'est un petit peu améliorée depuis. Départ régate, on peut en parler tout de suite. Mana, si tu veux, je te laisse un petit Oui. peu la parole. Okay, so everybody just started. Max altitude was 2,000 meters. Max speed 170 kilometers an hour. But as you can see, the max reachable altitude when Manu tested the air just before the start was at 1,600. Yes, maximum. Yeah, now it's going up a bit, but no one made the 2,000. And so this is regatta. I'm not sure how you say that in Yeah, English. regatta, I think. Regatta task. So regatta task, we'll continue in English if you want. Regatta task is, in fact, all the glider cross the departure gate in the same time, and the first glider crossing the arrival gate win the task. It's really simple. I'll maybe say a few words about the specificities of this one with the different distances based on the handicap. Yes, okay. So each glider has been assigned a handicap and based on its performance and based on that specific handicap, the radius of the turn cycle is different. So a higher performance glider will have to finish with a longer total distance. And as opposed to lower performance, also very specific to the e-glide electric glide contests, each glider is allowed a specific amount of energy that can be used out of the motor. I believe in the first e-glide competitions, everybody had the same, about 2 kilowatts hour. And now the rules are such that it's adjusted based on the weight of the glider. Ok, donc pour nos pilotes français, donc une petite explication. Donc départ en régate. Alors régate, nous revenons dessus. La porte s'est ouverte à 15h15. Alors pour ne pas vous mentir, nous sommes un petit peu en différé et nous allons rattraper le timing hein, dans les minutes qui viennent. Donc la porte s'ouvre, tous les pilotes doivent partir à ce moment-là puisque le premier pilote qui passe la ligne d'arrivée remporte l'épreuve. Vous pouvez tourner, enfin, vous pouvez avoir une vitesse de moyenne plus rapide en étant parti une heure après, vous serez forcément dernier de l'épreuve. Donc c'est un petit changement hein, dans la façon de gérer son épreuve. Et par suite, avec le système FES, et du fait que les planeurs soient différents, puisqu'on a quand même du Ventus 3, du Discus 2, on a du Shark, le planeur donc de Mana, on a aussi du Duo Discus, du DG1000. Les planeurs ayant des performances différentes, leur sont allouées des puissances utilisables différentes en fonction des performances des planeurs. Et sur les cercles, Sébastien, Sébastien qui est juste à côté de nous, notre petite main, est-ce que tu peux nous montrer? Voilà. Est-ce que tu peux nous montrer donc sur les cercles, par exemple, le premier point de virage qui est le point de virage Quinçon. Les cercles de virage sont également adaptés au handicap des planeurs. Par exemple, un Ventus 3 qui est très performant aura un cercle de 500 mètres sur Quinçon, alors que si nous prenons le DG1001, il aura un cercle de 3,5 km, Sébastien, je crois que c'est ça. Voilà, 3,5 km. Donc ça permet de compenser les différences de performance des planeurs. D'accord. Voilà. Alors. Les handicaps sont disponibles sur la page sur InSpot, dans la liste des pilotes. Voilà, donc vous pouvez voir ben, nos pilotes qui sont partis entre 16 et 1800 mètres. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu mieux qu'hier. On dispose de trackers à l'intérieur des planeurs. Donc ça nous permet de suivre un petit peu plus facilement les planeurs. Donc les planeurs sont en transition. Alors ce qu'il faut savoir tout de suite dans cette zone, hier nous étions dans une zone de moyenne montagne. Là, les pilotes partent vers le sud aujourd'hui, et le sud, nous avons deux plateaux, le plateau de Puy-Michel qui était le point de départ, vous voyez la porte, et le point de virage Quinçon avec le plateau de Valensole. Alors le plateau de Puy-Michel, impossible de se poser, le plateau de Valensole, oui, mais déjà,
on va dire 1400 mètres, où sont les plus bas, on commence à être un petit peu proche du sol. Donc je pense que dans cette phase, nos pilotes vont potentiellement utiliser le FES. So, Manny was talking about the area, and the fact that at the beginning of this leg, there isn't much in terms of outlanding fields. There'll be a bit more when they get closer to Casson. And it is possible, especially for the pilots that are at 1400, that they start to use the electric engine. Voilà, tout à fait. Donc on va continuer un petit peu. Les pilotes sont toujours en transition. Alors il est difficile pour nous de savoir si ils utilisent ou pas le FES. Très difficile. Il faut qu'on imagine quelle peut être la tactique employée, sachant que si ils utilisent le FES, enfin toute leur énergie en début d'épreuve, eh ben, ils n'ont plus rien pour la suite. Donc on risque d'être bâchés. Et s'ils ne l'utilisent pas, bah, ils peuvent potentiellement, vu les conditions du jour, se vacher très rapidement. Donc là, ça va être très tactique. Ouais. Alors peut-être un petit peu d'infos sur la capacité qu'ont les différents planeurs. Alors je vais parler du modèle du type FES. Je ne sais pas pour les autres moteurs à pylônes, mais typiquement la plupart des planeurs équipés en FES de LZ Design ont 4 kWh de batterie. Donc en fonction du poids du planeur, ça va un petit peu alterner, enfin modifier l'autonomie. Mais en gros, je crois qu'une bonne base, c'est de se dire que il y a un petit peu moins d'une heure de moteur en palier à une vitesse de 90-100 km heure, au contraire d'un jet où tu peux voler beaucoup plus rapidement. Donc les planeurs ont aujourd'hui entre 2,3 kWh autorisés jusque pour les biplaces 3,7 kWh. Donc ils ont un petit peu moins d'une demi-heure, ils ont 20 minutes, 20 minutes à une demi-heure de d'autonomie, D'utilisation, en fait. Oui, d'utilisation. d'accord. Sachant que par sécurité, bien sûr, ils peuvent l'utiliser plus, mais le Oui, règlement c'est voilà. imposera une vache. Et d'ailleurs, je suppose que la règle est faite de manière à ce qu'on s'assure de la sécurité et qu'on ne se retrouve pas dans une situation où tous les pilotes ont Voilà. utilisé tout leur potentiel batterie. Tout à fait. Sébastien, on peut avoir un petit visuel sur donc l'intégralité du circuit, parce qu'on n'a pas eu le temps de le présenter encore, s'il te plaît. Voilà, donc vous voyez le point de départ, donc la petite porte, hein, qui est au nord. Donc les premiers pilotes arrivent, ben, déjà quasiment sur le premier point de virage. Ils auront à repartir vers le nord-ouest, enfin, à travers Manosque, et vers la montagne de Lure pour virer le terrain de Banon, un autre terrain qui est posable. Et ensuite, ils remonteront au nord. Donc là, ils sont passés quasiment à côté hier, hein, vers le terrain de Lamotte-du-Caire. Alors à partir de Ballon, ils seront dans des reliefs un peu plus élevés, on va dire de moyenne montagne. Ce qui leur permettra peut-être enfin, de trouver des varios, hein, des ascendances un petit peu plus facilement sur les reliefs. Si on peut repasser peut-être sur le point de virage, on voit les premiers pilotes qui arrivent dedans. Voilà, donc les premiers pilotes, eh bien, nous avons un petit peu comme d'habitude, hein, c'est donc Matthew qui est le champion en titre, Matthew Scotter, hein, qui a gagné l'année dernière Australien. voilà, australien, pilote australien, il a gagné en Italie à Varese, c'est ça? Varese, voilà. Derrière, nous avons Giorgio Galletto, qui est lui très expérimenté dans la région. Et on a déjà quelques planeurs qui ont sûrement viré. Le Echo, c'est le DG1000, donc c'est normal. Alors, c'est exactement ce qu'on vous disait. Le planeur Echo, c'est un DG1000, donc un planeur biplace, plus lourd, qui a un handicap plus bas, donc ça lui permet d'avoir un cercle de virage qui est plus grand. Donc, c'est pour ça qu'il a viré avant le cercle rouge. Voilà. Donc, ensuite, on a 71, Matthew Scuttler, qui vient de virer avec son LS8 aussi, qui a un handicap un petit peu plus important. Et on a Giorgio Galletto et le troisième pilote qu'on a actuellement qui est en dessous, j'arrive pas à voir. C'est deux Ventus 3, donc des planeurs de dernière génération, qui eux ont les handicaps les plus importants, donc vont être obligés d'aller virer dans le cercle rouge.
Et quelques mots en anglais, donc. So I was just talking in French. Oh, we were talking in French about the autonomy. You know, how much the range, let's say, that electric lighters have. I'll talk mostly about what I know, which is FES. Typically, the gliders have batteries that hold 4 kilowatt hour kilowatts hour of energy. And the rules for this race allow the gliders to get between 2.3 and 3.7 kilowatt hours based on the weight of the glider. So the lightest is the Ventus 3 with 2.3, and the heaviest is the DG 1001 with 3.7 kilowatt hours that can be used for the race. So a fresh battery would typically give you about 50, 60 minutes of usage of the battery. And in the case of the FES, the optimal speed is, let's say, 90 to 100 kilometers an hour. So you can do the math about the distance you can travel with the engine. And this is assuming level flight. It will differ, you know, based on the type of glider you have. And you know, the logic also for this race is that so for safety reasons, we leave some of the energy left in the batteries in case of a requirement just to go back to safety. So that's just for the range. Then Manu was talking a bit about the pilots and the fact that, as you could see, some made the first turn earlier, in particular the Echo, which is She DG, 1000. yes, because they've got the highest handicap and have a shorter distance to fly. I think next we had Matthew. I don't know in which order they turned, Yes, that's and what it was with Giorgio. you. Yeah, I'll let you take over, Manu. Yes, it was so Matthew in LS8, and the third one was Giorgio Galletto with Ventus 3. The Ventus 3 turn in the 500 meters circle over the point. For the LS8, this is sorry, we check. This is this one, if I remember, no, it's below you, the two. It's approximately 1,500 meters for the LS8. Okay, as you can see. We have pilots using FES system in this moment. For example, Yankee climbing a straight rail. So I'm quite sure in this time he uses your system to stay higher than expected in the Where do you see the Vario of Yankee? Can we see the Sebastian? Can we see Yankee's Vario? Oh, okay. Okay. C'est Stefan Enger. Ok, donc ouais, Second. voilà, juste pour revenir, donc on a vu là, donc par exemple le planeur Echo, le planeur Yankee, pour moi, ont utilisé leur FES système. Vous voyez, Lima Zulu, lui, est 300 mètres plus bas, au-dessus du plateau, donc 300 mètres, il est environ à 500 mètres sol. Il est quand même pas très haut. Voilà. Donc je pense que sur cette partie, un certain nombre d'entre eux ont utilisé leur système FES pour ne pas trop descendre. Et ne pas se retrouver dans une situation, alors déjà de perdre l'épreuve, mais une situation qui pourrait être un petit peu plus dangereuse encore. Ouais, alors faut qu'on fasse attention. J'ai tendance aussi, puis toi, à dire t'en fesses. Il y a des planeurs qui ne sont pas équipés du système FES, Oui. mais de leur propre système, un pylône, D'accord. l'Antares, et qu'est-ce qu'on a dit d'autre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a qui n'est pas en FES? Je crois qu'il y a Alors, que l'Antares. il y a que l'Antares. Intéresse pour Ouais, prendre une petite partie, ouais. Ventus, Iodiscus, ouais, il y a que l'Antares. Peut-être que tu peux nous parler de ton planeur, puisque il est en compétition, savoir un petit peu comment ça se comporte, et Oui, puis oui, oui. les Alors justement, je attentes. voulais faire une remarque avant de basculer au Shark Vas-y. sur le choix de mettre le moteur ou pas et à quel moment. Je pense qu'une des grosses différences entre justement le FES et les planeurs type Antares, Avenir JS3 avec pylône, je crois que la S34 MI, alors je suis pas du tout sûr de moi, a aussi un moteur à pylône. Dans le cas d'un pylône, il faut toujours anticiper la possibilité que le pylône se lève et que le moteur ne démarre pas. Voilà.
Et que le pylône reste sorti. Et que ton pylône reste sorti comme un gros aérofrein. Donc, a priori, il vaut mieux faire ça quand on est bien en local d'un champ. Exactement. Alors que la différence avec le FES, on paye un petit peu avec un point ou deux De de finesse. finesse en moins. C'est que si le moteur ne marche pas, on a le même planeur qu'avant. On n'a pas un aérofrein sorti. Donc, le choix de mettre un petit peu de gaz ou pas va pas être le même pour un Antares que pour le reste des pilotes. So maybe I'll just say that in English, the choice of turning the electric motor on or off is not going to be the same for gliders equipped with the FES system versus, I don't know, you said it in English actually, but a mast or the engine that Yes. gets up behind the pilot. Because when you have, the engine behind the pilot, you always have to assume that it could get up, not start. And you not being able to bring it back inside the fuselage, in which case you have a big air brake. So it's much, much safer to only, get the engine out when you're local and you can land in an outlanding field or airfield. Whereas in the case of the FES, against a penalty of maybe 1-2 points of glide ratio, well, you know that if the engine doesn't start, you have the same glider. So it's much more flexible in terms Nice. of when you decide to turn it on or not. So also a question of safety. You understood. Voilà. Alors, on va revenir un petit peu sur la course. Qu'est-ce que nous font les pilotes? Alors, si tu veux, Sébastien, on peut peut-être passer rapidement sur le terrain, la vision extérieure du terrain pour commenter la météo. Donc j'étais en vol, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais en vol pour tester la météo. Nous avons dû nous reposer deux fois. La troisième, on a réussi à trouver quelque chose, enfin, donc plus tardivement que prévu. Donc voilà, on a un magnifique soleil, on n'a pas de vent. Et ça, c'est les conditions à Saint-Auban qui sont pas terribles. C'est pas terrible, pourquoi? C'est plutôt anticyclonique, donc la masse d'air est un petit peu affaissée. On monte pas haut, hein, pour preuve, ils sont partis à 1800 mètres. À Saint-Auban, on peut avoir des plafonds de l'ordre de 2500 mètres sans souci. Et donc, ça va quand même grandement, merci Seb, ça va quand même grandement réduire les options tactiques. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de marqueur en vol, pas de cumulus, il n'y a rien du tout. Donc en gros, ils vont aller quasiment direct d'un point à un autre. La dernière branche sera peut-être, enfin la troisième branche sera peut-être un peu plus tactique. Peut-être qu'ils ont moins d'énergie et ils vont se retrouver un petit peu dans les montagnes. Donc là, ça devrait être un peu plus intéressant. Pour le moment, j'avoue que je pense qu'ils vont aller, enfin, voilà, c'est ce qu'ils font d'ailleurs, indirectement vers Bannon, en passant sur le plateau et en essayant de trouver quelques varios enfin, sur la route. On a les trois premiers là, Seb, c'est ça? Non, on n'a pas les trois premiers. Oui, on a les trois premiers, ok. Donc en bas, les trois premiers, donc Ecole, DG1000, je suis un petit peu surpris. Mais le DG1000, là, on a perdu sa trace, malheureusement. Oh, il a tourné avant, hein? Oui, c'est un peu normal. Oui. Donc Matthew Scudder et Giorgio Galletto, qui sont oui, deux références. Hein, parce que Matthew Scudder a fait un très bon résultat au championnat du monde l'année dernière. Je crois qu'il a fini deuxième, de mémoire. Enfin, il est toujours sur le dessus Voilà, du podium. tout à fait. Voilà. Donc nos pilotes poursuivent tranquillement. Donc on peut peut-être parler de ton char, qu'on a un petit moment là, si tu veux. Comme Oui, ça oui, peut oui. être très intéressant. Je te laisse la main, français, anglais, la totale. D'accord. Le Shark. Bon, moi, j'ai le Delta 3, là, depuis un petit peu moins de 2 ans. Je vole touriste depuis Fayence. Et comparé à la production de planeurs en FES, il est très peu populaire en France. C'est de, Alors, autant que je sache, il vient d'où le chat? de République tchèque. République tchèque, ok. République tchèque. HPH. Alors donc HPH qui a commencé en rachetant la licence du vieux 304 Glasfugel. Oui. Ils ont commencé par continuer à produire le 304 tel qu'il était. De mémoire, ils ont fait quelques améliorations sur le 304 et
un jour, enfin, ont décidé de produire un nouveau planeur qui a été donc le Shark 304. Alors, il a gardé le nom, mais c'est pas du tout le même planeur. Non, c'est tout neuf. Le manche, c'est pas le manche pareil, Ouais, complètement bipédique là. nouveau. Oui, complètement nouveau. Alors, j'ai appris aussi, je sais pas si c'est officiel ou pas, mais bon, HPH fabrique pas mal de pièces pour d'autres constructeurs. J'ai été visiter avec Nicolas Bernard, qui est aux commandes du Delta 3. J'ai été visiter l'usine de HPH. C'était très impressionnant. Une usine très moderne, des machines numériques impressionnantes, une chambre entière. Je crois qu'ils peuvent faire un fuselage entier en CNC. Hausse Quoi, c'est quoi production. CNC pour ceux qui connaissent pas? Commande enfin, machine à commande numérique. Voilà. Oui, alors, I don't even know in English ce que CNC veut dire. Numérique, I'm not non, sure. non, Bon, non, on je connais pas continue en non plus, français. je connais Donc, pas non plus. le Shark de chez HPH, qui est beaucoup plus populaire chez nos amis allemands, les pays de l'Est, il y a pas mal de planeurs qui volent en Angleterre. Je pense qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de marketing en France. Alors, le Shark n'est pas un planeur qui est sur les podiums des compétitions internationales. Mais c'est un planeur extrêmement confortable, extrêmement bien fini, et je trouve très très bien pensé au niveau ergonomique, à plein de niveaux de détails. Je pense que c'est un des plus lourds de la production Shark? de planeurs équipés de fesses. D'accord. Bah, a priori oui, hein, puisqu'il est au-dessus de. Là, on a une fiche. Hein, excusez-nous, on a une fiche devant nous. Hein, c'est oui, il est à 530 kilos, Voilà. alors que les autres sont à peine plus de 500. Donc, c'est tout Et le bien. 28 3 à 488. Mais Que dire de plus? donc, c'est quoi, 18 mètres? C'est un 18 mètres. Voilà. C'est un 18 mètres. Je crois qu'il est donné pour une finesse sans le fesse 51, ou j'ai vu ailleurs 53. Ça a été D'accord. testé par Acaflic. Et comme référence aussi, sans ballast, la charge et l'air avec un pilote comme moi qui fait un peu moins de 80 kilos, doit être à 43 km carrés. Ok. On reviendra sur cette notion de charge à Et à l'air combien ils après. sont autorisés à voler aujourd'hui? Voilà, tout à fait. Je te laisse peut-être le faire en Okay, anglais. so a few Merci. words about the Shark, the HPH Shark, which is the glider that I own, that Nicolas Bernard is actually flying. C'est Delta 3. Delta 3, thank you. This one. So, I was saying that it's a brand that is not very well known in France. As far as I know, there's only one HPH flying. It's mine. There used to be one in, I forgot, Serre, but a power turbo that is not there anymore. It's much more popular in Germany, Eastern Europe. There's a few in England. So HPH is actually the brand that acquired the license to produce the Glasflügel 304 when they stopped their activities. So they started producing the 304, made a few improvements, and still kept producing this glider. Then they came up with the Shark. They kept the 304 name, but it's not the same glider. It's a brand It's a new new one, glider. yeah, 18 completely meters. I think they had plans at some point to have 15 meters wingtips, but it only exists in 18. okay. I believe it's well, what we see here, you don't see it in front of you. It's probably visible somewhere on Soaring Spot. You have the mass and the energy that they're allowed to take each glider and the Shark. Yes, if you want to understand what we said, you can go on the task one in Soaring Spot, and you have all the data of the task with the mass of glider and the energy able to use. Yes, and there here you have the mass at 45 kilos per square meter. Thank you, sir. You see that the lightest is the Ventus 3, followed by the Ventus 2. And out of the FES gliders, the Shark is the heaviest because next will come the Antares and, of course, the dual seaters like the Duodiscus and the DG. The Shark is given for 51 or 53 glide ratio without the propeller of the FES.
I believe from memory, if I'm not wrong, you lose 1 to 2 points of glide ratio with the propeller in the front. We had discussions with Luca. By the way, this is interesting. Luca yes. flying on 28. The LZ, LZ right. design, yes. is the inventor and manufacturer of the FES yes. engine. So battery, motor, propeller. Yes. I lost track a bit of what I was saying, but to close on the HPH, extremely comfortable, good performance, but it is not the a glider that you will find at also contest. Yeah, yeah international yeah, contest. Yeah. It's more of a GT, Gran Turismo, yeah. Turismo glider. Cross you know, country. Yes, it's really, I fly out of Fayence. It's great to go fly in the Alps. Want to talk a bit about the race? Yes, we come back on it. And but Seb, could you come back on Ocean Viewer, please? Because we have no all the glider. As you can see, we have in fact Fess leading the race. And Fess, this is Tilo Oligos. Tilo Oligos is the owner of Champion Company with Discus 2C in Fess system, and we. What is his altitude? Fess, this is 1,000 meters. Yeah. Very low. It's very low. So we're not sure he's ahead. Yeah. But yeah. in terms of distance? In terms of distance, yes, but not in altitude. And 1,300 meters for Mathieu. So it's close. Yeah, it's close. Yeah. Bon, alors comme on peut le voir, on est revenu rapidement sur la vue OGN puisqu'on vient de récupérer donc le FES, donc c'est le Discus 2C pardon de Tilo Oligos qui est le propriétaire de la firme Champirt et qui alors on pourrait dire qu'il est en tête, mais il est en tête à 1000 mètres, ce qui est très très bas, je peux vous l'assurer, au nord de Manosque du côté de Forcalquier. Avec Mathieu derrière, qui lui est un petit peu plus haut, hein, il est à 1300 mètres, donc en fait c'est très serré sur cette partie. Alors, je pense que ça doit être vraiment très tactique au niveau de l'utilisation de l'énergie disponible ouais, en ce moment. Ouais, ouais. Il faut vraiment se poser les questions de ce qu'on doit faire pour ne pas être handicapé pour la fin du vol. Ouais, oui. Est-ce qu'il y a moyen de savoir le taux de chute de FES? C'est peut-être pas facile. Bon, là, je pense pas qu'il ait le moteur, hein, puisqu'il est en taux de chute négatif. On pourrait envisager, je pense pas que ce soit intéressant. Je pense pas qu'il y ait de quatre figures où tu mettes le moteur, mais pour améliorer ta finesse sans au moins garder le palier. Typiquement, tu es au moins en palier. Donc là, je pense qu'il est en train de tracer et d'attendre son vario. Son thermique à venir, son vario à venir. Alors, il faut dire que Thilo aussi était la semaine dernière à Vinon. Pour le Grand Prix, oui. qui est une compétition d'un autre niveau, hein, tout autre, puisqu'on les a croisés quelques fois dans les montagnes plutôt bas. Il a peut-être un petit peu l'habitude encore de voler bas. Oui. Bon, il y a des c'est vrai qu'il y a des profils de pilotes extrêmement différents sur cette épreuve, cette semaine. Des pilotes comme Mathieu, Thilo et autres qui sont leaders dans les championnats du monde. Mm. Et puis des amateurs. On voit déjà d'ailleurs, si on peut revenir sur la précédente vue, Sébastien, s'il te plaît, on voit que le papa X-ray, je crois, a quasiment abandonné parce qu'il est en train de repartir sur la serre de Bandonnier pour essayer de remonter. Il s'est peut-être pas fait une frayeur parce qu'il était bas sur les reliefs, mais il y avait proche de sa position, il y avait un terrain utilisable, donc pas de souci particulier. Mais je crois que il s'est fait, il s'est dit, ok, ça c'est pas tout à fait pour moi aujourd'hui. Ouais, ouais. Ce que je comprends, vu les altitudes qui sont, enfin, où il se promène. Hein. Ah oui, moi je vole un petit peu dans le coin de temps en temps. J'ai plus tendance à partir dans le nord, mais il m'arrive de venir ici et je me suis jamais retrouvé à 1000 mètres où se trouve Thilo aujourd'hui. Alors j'ai déjà donné, mais en local de champ, il y a pas de souci particulier en fait. Où se trouve le Delta 3 India, là, vous avez la vallée de la Durance. Et dans la vallée de la Durance, il y a beaucoup de champs où on peut se poser sans souci. Donc là, il n'y a pas de risque particulier. Par contre, où se retrouvent Tilio et Mathieu, on commence à voir un petit peu moins de champs, mais on peut encore revenir
sur la vallée de la Durance. À ce sujet-là, Seb, tu peux nous dire à quoi correspond le X à droite du FES? Oui, je sais pas. C'est alors. D'accord. Il ne le capte Ah, plus. ok. D'accord. Alors, nos pilotes arrivent tranquillement sur le deuxième point du virage. Alors, si on va faire un petit peu de tourisme, tiens, pour changer, qu'est-ce que t'en penses? Ok, je vais peut-être Juste juste 2 dire minutes. quelques Ah, vas-y, mots je t'en prie en anglais. en anglais Ouais, sur ce que yes. tu viens de dire. J'ai un petit peu oublié ce que tu as dit, mais we were talking about the altitude and the different types of profiles of pilots that are flying in Eagle-eyed, and it's I find that very nice, very varied. You have people like Matthew Tilo and some other really very Good. performant Yeah. good pilots Right. who would participate to worldwide contests, and you have pilots like myself. I've never run any competition, so I find the variety of people is very nice. We're making the comments that Tilo is very low where he is. We were showing the screen just before. There weren't that many outlying fields, whereas Endurance Valley. in the Durance Valley, there's lots of possibilities for outlanding. And we also noticed that Papa X-Ray was likely going back Yeah, I think. Yeah. and decided to try to find something where he was. Ah non, Oh, là, he's ouais, going back. ok. He's playing it more conservative. And Yes. I made the comment that Yeah. myself as a pilot flying in this area, I've never been, would not feel very comfortable being at 1,000 meters where Tilo is with the FES. Yes, because for to be an idea, at 1,000 meters on this point, you are at maybe 400 meters above ground. So we can say it's low. Okay. Yeah, and we lost him on the flam tracker. I'm not sure where he's at, Yes, I don't. but 7-1 is Matthew, is it? Matthew, yeah, Yeah, Matthew. so he's Reaching second part at can we have the distance Seb, please? I think less than 10 kilometers. Yes, 10 kilometers, but Matthew can turn shorter, so it should be at 8 kilometers of the turning point. And we see so the second group so now in a lift. Seems to be a good lift. And they are on the first ridge in the valley. So it's interesting because normally it's begin to be better on this point. We can find lift Oh, I forgot to easier. make your comment about the weather in English. That Yes. today Yeah. was not the best type of conditions for Saint-Auban. As you can see now. It's very blue, no wind. This morning we had North wind this morning exactly. and no south wind or little south wind now and we have no clouds in flight so no cumulus it was really difficult at the beginning of the afternoon to find a lift especially in the plateau of Puy-Michel so the departure point. Yeah, so considered a not that easy weather conditions. And by the way, the task has been reduced a bit versus the original plan. Yes, and from now the second group reaching the first lift in fact the first ridge sorry east of west of Durance Valley usually this is a point where we begin to have better lift than to compare to the plateau it should be better but we will see. Is this where you typically go get your first lift when you take off from Saint-Auban? No, it's too far Too away. far. It's too far away. Too No, far from Saint-Auban. we perform towing in bande Piton de Perruy, plateau de Puy-Michel or La Colette, and that's really too far away. Yeah. But when we come back from the Luberon, usually north of Forcalquier and north of Manosque, we find on the little hill, in fact, good lift at this point. And we can climb to go back in Bon Saint-Auban. Where is Lure on the screen? Lure, it's just beef after the Banon turning point.
So we have a beautiful ridge, yeah, this one, beautiful ridge oriented east-west. Going to Ventoux. Yes, and from Bannon to La Motte de Caire, it should be better, I think, because we have a higher ridge and a better lift usually in this area. Ok, donc maintenant nous avons perdu donc Mathieu, mais qui doit pas être loin d'arriver sur le point de virage. Et ben voilà, donc non, c'est on a récupéré Kilo, ouais, voilà. Kilo qui est à 1000 mètres a priori, donc il est vraiment pas bien haut sur Bannon. Qu'est-ce qu'il a comme comme vache dispo là Bannon. Où il est Bannon, ouais. Le terrain de Bannon. Et là, à part ça, il n'y a pas grand-chose. Alors si il va avoir quand même des champs dans la vallée entre Saint-Étienne-les-Orgues et en direction de Saint-Auban, mais il n'y a pas beaucoup de champs à cet endroit-là, donc ça commence un petit peu être un petit peu piégeant, si on peut dire ça comme ça. Voilà, l'autre paquet est bien remonté hein, sur les premières bosses là du côté de Fort Calquier, donc il continue vers le second point de virage. Et on va voir un petit peu, il va falloir attendre un petit peu, donc ce qui va se passer, je pense, sur les premiers reliefs là. Alors il y a des chances quand même qu'ils repartent tous, pas forcément sur le sud de la montagne de Lure, puisque la montagne de Lure culmine de mémoire à 1800 mètres. Et excusez-moi. Et donc je vais tricher. Oui, non, mais c'est ça. Culmine à 1800 mètres, donc étant donné que Kilo est à 1000 mètres du côté de Bannon, il va avoir du mal à passer par au-dessus. Voilà. Ah oui, ah oui, ouais, il ouais, ouais. Du monde. Va falloir faire un détour, forcément. Donc, je pense que tout ce petit monde-là va repartir plutôt sur le piton de Pervy, qui est un petit piton au sud-ouest de Saint-Auban, où on effectue généralement le largage, hein, après le remorquage. Et maintenant, avec le vent de sud qui s'est installé, devrait fonctionner plutôt pas mal. Lure, 1637 ah, mètres. 1637, voilà. Autant pour moi, donc 1600 mètres, bon, il manque quand même 600 mètres. Hein. Ouais. Pour passer. Voilà, donc là, on est quand même dans des altitudes... Alors, pour connaître un petit peu la région, hein, comme Mana, on est à des altitudes qui sont pas très confortables pour voler dans ces régions. Parce que bah, les plateaux sont à 1000 mètres, vous voyez, on se promène à 500 mètres au-dessus des plateaux. Certes, on peut atteindre la vallée sans souci, mais bon, voilà, 1000 mètres du côté de Bannon, je vous avouerai que j'aimerais pas y être. Voilà. Ouais. Ouais, il a son petit moteur. Oui, il a son moteur. Mais, alors après, chaque pilote fait comme il le veut, hein, bien que ce soit un moteur électrique. Pour le cas du FES, particulièrement fiable parce qu'il y a peu de choses qui peuvent se tomber en panne, on va dire. Il n'y a pas de mécanique, par exemple, sur le mât. Et il faut quand même partir du principe que il peut ne pas démarrer. Bien sûr, bien sûr. C'est rare. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de cas. Ce qui arrive, c'est que on est un petit peu trop tiré sur la batterie. Par exemple, en voulant prendre de l'altitude, là, il faut qu'on envoie plus de courant et la tension restant dans la batterie peut baisser et on peut se retrouver avec 20, peut-être 30% de batterie, de capacité disponible. Inutilisable. D'accord. Et il faut éviter de se retrouver dans ce genre de situation et se dire j'ai de la batterie, donc je vole en mode avion sans être en local parce que ça peut toujours arriver. Alors après, tout ce qu'on... On va passer un petit peu en anglais après, mais tout ce qu'on vient de dire, faut le prendre avec un bémol. Pourquoi? Parce que vous pouvez voir en haut à droite de l'écran que le FES, le 71 India Lima Bravo, c'est quatre planeurs qu'on n'a plus en contact. Donc potentiellement, ils vont réapparaître sur la montagne de Lure, beaucoup plus haut. Voilà. Tout à fait. Ok, as we said previously, so all of pilots reaching on the second point, and we said that they were in fact really low for this area, and we're talking about the first ones who arrived at 1,000 meters. 1,000 meters in Bannon, this is really low. So we have no FS, so less than 1,000 meters,
So in Banon, it's very low because we have just north of Banon, we have a high ridge called Montagne de Lure at 1,600 meters. So you can understand really easily that all their glider have to climb before to cross the ridge north of Banon. I think, in my opinion, they go back to the valley, to Durance Valley, to try to catch a lift in Piton de Perruy. Piton de Perruy, this is a little pike just southeast of Saint-Auban, and we proceed usually at all the toe on this station with no weather conditions. So now in Saint-Auban, we have a light wind from south, so rises, and Piton de Perruy should work very well. But for the moment, they are really low, so 1,000 meters at this point. Really, I don't like to be at this point so low. Yeah, I would stay vertical Banon until Yeah, you're comfortable. 1,500, it's really better. Yeah, very low. But it's interesting. I mean, yeah, as you said, there was a choice to be made, huh? And there's no way you can pass Lure. Yeah, no, in this case. And what was the wind weather forecast in this area, this time of day, do we know? Expected 2,000 meters of ceiling with a great inversion just above. It's approximately what we have in flight because just before the launch of the task, so just before the departure, we reach 1,800 meters of ceiling. And what side of what orientation of the ridges is going to be giving something dynamically today? I mean, there's no wind, so There it's assuming is there's no no wind, wind. so this is, it will be in the next few minutes will be very very difficult and very important part of the task because they have to fly slowly inbound, maybe as I said previously, so Piton Perry, and to cross the valley. Can you show with the mouse where Piton Perry is? Yeah, no, No, okay, or we cannot show you the mouse. no, Sorry Piton about Perry, that. it's you as you can see. We have so a little circle, say little circle. If you can, you can zoom again or not? Yeah, you can see Perry in the middle of on the map. So Piton Perry shows the ridge west of the village of Perry. Okay. In this case, if they can catch a lift on this point, they will cross the valley inbound the other side of the valley, the other side of Saint-Auban. So on the ridges of the Pilon, Colette, and so So on. you think they may decide to go that route? Yeah, So, I think it's the better choice to. though Matthew may not be making that Yes, choice. Matthew. 1700. He's Ah, able yes, to pass the. nice job, Matthew. Climb and cross above the ridge. Yeah, because it's the peak of Lure that Yes, is at of course. 1600, and Yes. west it's It's just looking lower, at a yeah. map, it's Oh, maybe one, 14, well, 14. 1200. Yeah. Yeah. Okay. So good choice, Matthew. Matthew performed a very good choice, I think, for the end of the task. Where did he get his altitude? I don't remember. I don't We remember where his thermal was. Oh, we don't know because we don't have it. We didn't have it yeah. in contact. Oui, donc on vient de découvrir là en direct hein, que eh bien vous voyez Thilo qui était très bas, toujours aux alentours de 950 mètres. J'étais en train de dire que Thilo et le groupe qui est plutôt bas va être obligé de repasser vers l'est en direction de Saint-Auban pour aller reprendre de l'altitude du côté du Piton de Perruy par exemple, et éventuellement traverser la vallée pour repartir sur donc enfin des crêtes qu'on connaît bien hein, sur Saint-Auban qui est le départ classique. Les pylônes, la Colette, Vaumuse, pour aller vers le nord. Mais on vient de s'apercevoir, puisqu'on a récupéré Mathieu, que lui a réussi à prendre de l'altitude, et passer au-dessus de la crête, est en train de passer au-dessus de la crête De la de la montagne montagne de de Lure, Lure. qui culmine à 1600, mais à l'ouest, c'est plutôt du 14, Voilà, c'est 1300. ça, hein. Et puis même un petit peu à l'est, hein, c'est plutôt 15, et puis en descente.
Et donc Mathieu est en train de passer, donc très bien joué de la part de Mathieu, est en train de passer donc sur la montagne de Lure. Et si il arrive à, ce qui doit être le cas, 1700 mètres, hein, ce qu'il arrive à passer au nord, il a une grosse option pour passer la ligne d'arrivée en tête. Ouais. Et bon, moi je me posais la question des effets dynamiques, mais de potentiels gros rabattants. Il n'y a pas de vent aujourd'hui, Oui, donc. voilà, madame, je suis d'accord. Et puis en plus, en face sud, la montagne de Lure marche, mais avec des vents plus forts qu'aujourd'hui. Là, je pense que ce serait plutôt du thermique déclenché en thermodynamique. Ouais. Donc a priori, il devrait pas se retrouver dans les gros rabattants. Voilà, exactement. Exactement. Et là, 1700 mètres, je pense qu'il va suivre toute la crête de la montagne de Lure avant de traverser. Est-ce qu'il va aller sur Gache? Est-ce qu'il va partir sur les crêtes de l'Anne? Bonne question, ça va être à lui de voir. Peut-être que derrière nous, là, on peut pas vous le commenter. Normalement, c'est des thermiques purs aujourd'hui, hein, mais peut-être qu'il y a une matérialisation qui bah, lui permettra de raccrocher sur une crête qu'on ne voit pas ici. Ouais, c'est bien Bon, voilà, bleu c'est bien bleu, on est d'accord, hein. derrière la fenêtre. Voilà, donc vous voyez que Thilo qui est allé chercher bien bas dans le cercle de Bannon, est obligé de repartir à l'ouest. On l'a encore perdu, Thilo, hein. Ouais. Mathieu, lui, il est tranquille. Là, je suis en train de regarder sur un ordinateur de vol, la LK8000, en simulant sa situation. Il est à 16 de finesse de 6 tournes. Oui, là, il n'y a aucun souci, ça c'est sûr. Mais il est déjà basculé sur donc les petites crêtes qui sont un peu plus au nord de la montagne de Lure. Pellegrine, et j'ai oublié le nom de la première, bon, c'est pas grave. Et En local de Saint-Auban aussi, voilà, ouais. ils sont en local de Saint-Auban, tout à fait. Alors par contre, Thilo, c'est pas tout à fait en local de Saint-Auban. En philo, on n'a plus, il est plus live, comme on voit Voilà. avec la croix à côté du FES. Qu'est-ce qui est derrière, alors, à ton avis, Eh derrière, ben c'est Giorgio, hein. Giorgio Galletto. 1600 mètres. Ah, et Lima Bravo aussi qui vient de réapparaître. Alors attends, Lima 1700 mètres, Bravo. c'est Lucas. Lucas. Ouais, je vais Lucas copier. Benedict. Eh bien, les deux sont au coude à coude. 1600 mètres. Et ils ont suivi l'option de Mathieu. Et derrière, on a le Lima Zulu qui est un autre Lucas. Ça, c'est Luca de LZ Design D'accord. sur Voilà. un Ventus 3. Voilà. Qui suit à peu près le même cheminement. Donc là. Et il est à quelle Eh ben, altitude, il est à LZ 1700, 1700 mètres aussi. d'accord. Ils sont sur le même Donc là, ils sont chemin. tranquilles. Voilà. Qu'est-ce qu'on a peut-être plus en difficulté aujourd'hui en ce moment? Alors, Lima Fox, pas de souci particulier. Yarney qui est en duo discus. Donc, on va dire c'est le planeur le premier des planeurs les moins performants. Voilà. Oui, on peut peut-être faire une remarque en parlant des pilotes sur Benjamin, qui aujourd'hui vole sur... Ouais, alors Benjamin malheureusement ne vole pas sur son planeur qui est le Zulu Charlie, il vole sur le 3 Victor que vous avez juste avant le point de virage. Et en fait Benjamin était venu avec un Ventus 2, mais son collègue Thilo lui a prêté un Ventus 3 pour un problème d'assurance, puisque Benjamin n'avait pas son assurance. On est dimanche, pour avoir l'assureur en Allemagne, eh ben c'est pas possible, comme en France d'ailleurs. Donc il a un petit handicap mental. Oui, et même il a un handicap tout court parce qu'il n'a pas de fesses. Voilà. Il est en planeur, donc c'est un planeur turbo. Donc il pourrait très bien le mettre en route aussi. Hein. Maintenant, on parlait tout à l'heure avec un mât. On se retrouverait avec les aérofreins dehors. Hein. C'est tout à fait comparable. Mais ben, il est obligé d'y aller en planeur pur aujourd'hui. Alors Benjamin est un grand connaisseur de la zone. Hein. Il faisait partie de l'équipe de France junior. Il a eu de beaux résultats en championnat et c'est un excellent pilote. Mais bon, bien sûr, il va être handicapé un petit peu sur ces passages délicats où il aurait pu mettre le fesse en route. Bon, should we talk a bit Yeah, about the race in okay. English? Yes, no problem. I lost track of what we said, didn't say. I hope I'm not repeating myself, but we were comparing the decision making of, in particular, Mathieu and Thilo. So Thilo went very aggressive and was too low to pass the Montagne de Lure, where, peak at 1600, but you could probably pass at 1300, maybe 1200 west of Lure.
So Thilo has been forced to go back to the Durance Valley. He's not. Oh, he's Yeah, back. He's back he's in the back on Triton practice. Pier 8, as I explained just previously. Yeah, Yeah. and so it's always a bet. A race is about making It was bets. the bet. Yeah, and the rest of the gang that we see who's ahead, led by Matthew, were able to get high enough to pass Lure. We were discussing the weather, and we assume because there's minimal wind. There's probably no downdrafts from the how do you say lee side of the wind? I'm not sure. Yes, so soft side of Lure. Yeah, so they're and the altitudes, you know, where they're at 16, 1700, they can go back to Saint-Auban. Their local could glide up to Sisteron, so very comfortable for them. Yes, and we see Mathieu across right now, I think, in bande Lamotte-du-Caire, and the second or third pilot. So Luca Benedict, Lima Bravo, and Giorgio Galletto, very comfortable also in Montagne de Lure. So the same tactics than Mathieu. Yeah, it's too bad that we don't know live how much power they've used. Of course. They don't know between pilots. And this is also, I guess it's easier when you have, if for people who can watch an Antares or a glider with a mask, you know that the engine is out. Yes, yes. It's very hard You to see. see if a propeller is turning in front of a FES equipped glider. So you don't know. You don't know what the other guys are doing, and you're not too sure if they found lift, if they make you believe they found lift, but actually are turning and going up with Yes. the motor. So yeah, from us, I think it adds a lot to the decision making and the strategy in the race to have Yes. this possibility to use the power of the motor. And I explain also that all this pilot reach, I think, a better weather area with so medium level ridge like Lure, Crête de l'Âne, on the other side of the valley with Gaches and so on. And it should be easier to find a thermal lift in this area than to the previous part of the task. Yeah, which was a flatter plateau. Yes, very difficult today. Okay, Mathieu always leading, and then maybe not yet, maybe. Matthew, what is altitude? 1300? Yes, maybe in a final glide, not yet, but in a few minutes, I think. You think you'll be in final glide reach of Saint-Auban? I think if he leave at 16,000, he will be in final glide of in Saint-Auban, Okay, but I he's think. at 13 for now. Yes, from the moment. And we have a DG1000, the Eco Glider. So if we can say that's the worst one. Who's the Okay. pilot for the Echo? Ah, standby. We have it here, Max Max. Lucas Maslach. Okay. Okay. Perform a very good race because he is in a fourth position for the moment. So very good. Keeping in mind that they only have one turn point, one handicapped turn point, because the final is the same distance for everybody. So what I mean by that is that Yes. Echo will turn before Before Lima Fox or all the other Hinkley, guys. yeah, before your guys. So he's got a little edge there, but Yes. then the final leg will be the same length Yes, after the turn. for everybody. Yeah. Okay, donc on a donc eh bien on a donc toujours ce groupe là qui a pris la bonne option, hein. Mathieu a quand même une belle avance. S'il se rate pas sur la dernière partie, donc en arrivant sur les premières crêtes, hein, du côté du Jaligné, etc. Là, on le trouve dans la mode du Caire. Il devrait être assez rapidement en arrivée sur le terrain de Saint-Auban. Il a plus beaucoup d'altitude à prendre. Hein. On voit aussi Thilo qui est au piton de Pier 8, qui est en train de ramer depuis un petit moment. Alors j'ai testé le piton de Pier 8 en début d'après-midi.
Il n'y avait rien. J'espère pour lui, ben a priori, hein, qu'il y a quelque chose maintenant. Il est en montée, hein, Ouais, il est en montée. 950 Alors, mètres. 950 mètres, plus de soucis, il est largement local de Saint-Auban. Donc, voilà, la sécurité pour lui est assurée. Les autres sont en local, hein, comme le disait Mana, de Saint-Auban, Sisteron. Donc, la fin du vol, au niveau sécurité, est vraiment très tranquille. Papa X-ray à 1200 mètres. Oui. Oui. Bon, il a Banon. Là, ben non. Voilà. Bon, il n'est pas très haut. Il n'est pas très haut. Ah, on voit Mathieu donc, qui commence à arriver sur les premières crêtes à l'est de la Durance. Et donc qui monte. Alors, encore une fois, hein, moteur, pas moteur, bonne question. Mais normalement, enfin, ça devrait pas trop mal marcher dans ce secteur. Dès qu'il y a des petites crêtes, avec le soleil, on a toujours allez, un petit vent de sud. Il devrait pouvoir trouver quelque chose. La brise de vallée qui Peut-être, alors là, tu vois, le vent, là, on a la Biroute, hein, en face de nous, le vent est retombé à Saint-Auban, donc c'est vraiment un très faible sud. Alors pourquoi très faible sud? On peut peut-être en parler un petit peu. On a aujourd'hui donc une masse d'air qui est un petit peu affaissée, hein, anticyclonique, et en altitude, on a du vent de nord-ouest. Donc quand on a un vent de nord-ouest en altitude, enfin, Saint-Auban et dans les Alpes, dans la vallée de la Durance particulièrement, le vent de sud et enfin, les brises se mettent difficilement en place. Et c'est tout à fait le cas aujourd'hui. Et donc ça oblige les pilotes eh ben, à avoir une autre façon de penser leur vol tout au long de leur progression. Ok, so we can switch a little bit in English. So for the last few points. We explained just before that so the wind we have no wind now in Saint-Auban, no south wind, so no breezes. So we explained Which that is unusual. yes, which yeah, exactly. And we explained that we are in a high pressure area on ground and in altitude we have a northwest flow. And in this case, Saint-Auban, Durance Valley. It's very difficult to have breezes and south wind along the ridge. So the pilots have to change their mind to understand the weather and to change strategy all along the flight. Voilà, Mathieu. And Yes, you're saying that they're reaching, for the leaders, they're reaching an area that is a bit more rocky, more yield, and it Mathieu, will. just turning now. We can see, and Oh, it's true. He's got a handicap, so yes. So he turns before the circle we see on the screen. we remind you that the circle is 500 meters, but due to the different handicap, Mathieu turn at 1,200 meters, something like that. And as a reminder, he's not flying on his Diana 2 that stayed in Australia. No. It, it, Ah, he no, took a no. little thermal. That's Yeah, right. he took a little thermal. It's a mistake. Okay, But still, what's the issue to have the handicap? Because he's flying on, I was saying LS8. yes. And I assume this is 500 meters circle on the screen. No, I don't think so. No? So yeah. Maximum one. Oh, it's the max one. Okay. The max So one. Okay, so 3,000 meters. So Merci. then that would be the Yeah, turning radius for inside, the but. DV. Yes, approximately the middle for between the circle and La Motte du Caire, Mathieu should turn back in Bon Saint-Auban on the last branch. Okay. So he sees a 12 something. Do you think he can A little bit low for the moment. rest on the ridges and Yes. get to the finish line without taking a thermal, or you think he'll have to? He had to find thermal. He has to find thermal because if he don't find it will be difficult so to go direct in Bon Saint-Auban. We have a last say it's 30 kilometers. 30 kilometers glide ratio 40 if we can that if we can take that. This is approximately No, I'm not even trying. But good, go ahead. yes it will be difficult to fly back like that. 30 kilometers, so to calculate, Hey, sorry. Seb, can you show us the
The distance to the turn point for the other guys? So it's approximately 800 meters to fly back. Mm-hmm. At a glide ratio 40. So he's a little bit low. Yeah. So what's the who's next? We have Lima Bravo. Mm-hmm. Lima Bravo is Luca Benedict on Ventus 3. So he will have to turn further than Mathieu. Like Giorgio Galletto, Ventus 3, and Lima Zulu, this is also Ventus 3. So Luca on the Ventus 3. Yes, and Leverkusen, this is Leodiscus. Okay. So the three of our guys will have to turn further, and Lima Fox will turn shorter than Mathieu. It's strange that we lost the tracker for Echo. Oh, he's back. Okay, and he suddenly jumped much closer to the turn point. Yeah. Okay. So, nous disions, on reprend un petit peu en français, nous disons que Mathieu avait, donc, venait de tourner le point de virage. Il est actuellement à 1300 mètres et, allez, on a fait un calcul, hein, vitesse 40. Il lui faut à peu près 800 mètres pour revenir à Saint-Auban. Donc, 800 mètres, il est à 1300 mètres, il lui en manque un petit peu. Donc, il faudra qu'il monte un petit peu. Alors, est-ce qu'il a du fesse? Corps? Est-ce qu'il va prendre un thermique? Est-ce qu'il va suivre les pentes? Ça ce sera la technique d'arrivée. Et là à l'écran on voit en termes de distance les différents pilotes. Et il est en train de prendre un thermique. Mathieu a priori, ce qui fait une spirale, donc il prend un petit thermique, ou un bon thermique. Tu peux nous mettre le vario de Mathieu. Ok, 2,2 m, ouais, un bon thermique. Donc là ça devrait lui permettre de pouvoir rentrer sans trop de difficultés. Les trois planeurs qui suivent. Donc, le Yankee Giorgio Galletto, Lima Bravo, c'est Luca Benedict, et Lima Zulu, c'est Luca. Alors, c'est le joueur. Yankee a un bel avantage d'altitude. Hein. Oui, tout à fait. Eux vont devoir aller tourner un petit peu plus loin que Mathieu, puisqu'ils ont des handicaps plus forts. Mais comme vient de le dire Mana, l'altitude de Giorgio est quand même un avantage sérieux sur cette avant-dernière manche. Voilà, ils sont à 5 km. Donc là, on est sur Sébastien, on est sur les 500 mètres de rayon de virage, hein, sur celui-là. Oui, tout à fait. Donc nos trois pilotes qui vont vers le nord vont être obligés d'aller virer dans le secteur rouge. D'ailleurs, Lima Bravo en roule. Ouais. Il est un petit peu obligé parce qu'il est un petit peu bas. Par contre, Giorgio, potentiellement, il y aurait 5 km à faire et quasiment sur son plané final. Tu penses? Potentiellement. Ou pas loin. Ou pas loin. Sachant que pour cette épreuve, l'altitude d'arrivée, c'est l'altitude du terrain. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Pour la tâche. Ah, Mathieu est revenu. Voilà, 19. Voilà. Donc, ça, c'est la hauteur d'arrivée. Donc, Mathieu est à 35 mètres. Voilà. Donc, avec un plan qui augmente. Alors, encore une fois, moteur, pas moteur, on ne saura pas. On ne saura qu'à la fin, au débriefing. Mais Mathieu est au-dessus du plan pour 60 mètres. Ouais. Voilà. Donc ça correspond à peu près à ce que je vous disais. Hein, ouais, je ne connais pas les pénalités pour utilisation excessive du moteur. Ah, là, on a le scoring qui est à côté de nous. Je suppose qu'il peut y avoir des situations où on se dit, bon, j'ai pas ma finesse et je préfère prendre un peu de pénalité sur le moteur plutôt que de m'arrêter pour enrouler. Et au bout du compte, ça peut-être passer. Voilà. Ouais. D'autant plus qu'on le rappelle, c'est une régate, hein, pour ceux qui ne nous ont pas suivis au début. Donc, c'est-à-dire que le premier qui passe la ligne a gagné. Il n'y a pas de vitesse moyenne comparée sur le circuit. Tout le monde est parti en même temps, on va dire à 10 secondes près, et le premier qui passe la ligne remporte l'épreuve. Voilà. Toujours aussi impressionnant, Matthew Scudder. Oui. Voilà, il est sur son plané final. Hein. Donc 1200 mètres au niveau de gâche. Ça fait pas super haut, on est en dessous de la crête de gâche. Voilà, donc on va passer sur la Baume derrière. Et ensuite, plané final sur le vallée de la Durance, sur la vallée de la Durance, avec, bon là, par sécurité, il y a quand même un certain nombre de champs. Pas de soucis particuliers. Est-ce que, juste par curiosité, Sébastien, il y a moyen d'avoir la vitesse actuelle de Mathieu, par 180 km/h, il est en bas gauche. 180. Voilà. Donc il a un plané final assez viril.
400 kilos. Et oui, on en a parlé un petit peu pour l'épreuve, la charge et l'air Oui. max. Alors, charge à l'air, la charge à l'air a été, enfin, a été, est obligatoirement de 45 kg au mètre carré. Au maximum. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que c'est une charge à l'air? Chaque planeur a, Qu'est-ce que c'est qu'une charge et ben l'air? voilà, bien sûr. Donc, chaque planeur a une surface à l'air, donc une surface d'aile, et on oblige les concurrents à ne mettre, à avoir une masse du planeur qui correspondra à 45 kg au mètre carré. Très simplement, un planeur qui a 10 mètres carrés de surface devra partir à 450 kg. Voilà. C'est vraiment, hein, pour être très empirique. Donc ça permet encore une fois de lisser les différences entre les planeurs. Vue très intéressante. Vas-y, continue. On voit bien les rayons de virage en fonction des handicaps. Ouais, tout à fait. Donc ça Tu permet disais, ça lisse la polaire. un petit peu, voilà, ça lisse un petit peu la polaire, les différences entre les planeurs. Donc les planeurs qui est extrêmement récent, comme les trois qu'on a à l'image, le Ventus 3, ont une polaire très plate, qui leur permet de voler très vite. Donc quand ils sont chargés, ils volent très très vite. Et ils ont un taux de chute qui est relativement faible. Ça décale la polaire à droite. Voilà. Et quand, par exemple, si on prend un duodiscus, eh ben lui, quand il va commencer à accélérer, il va dégrader son taux de chute. Et donc, il va perdre de l'énergie plus facilement. Donc ça, tout ce règlement qui a été mis en place permet d'essayer d'équilibrer les chances. Voilà. Alors, c'est jamais parfait, hein. De toute façon, même deux pilotes différents ne feront pas le même vol et il y aura toujours des différences avec le même planeur. C'est tout l'intérêt de notre sport. On peut repasser sur l'arrivée, peut-être, là. On a, je pense que Giorgio doit être pas mal. Ouais. 1400 mètres à cet endroit-là, il est déjà en arrivée pour moi. Bon, il est loin derrière Matthew, hein. Voilà, Matthew, on le voit. Alors, il est en grisé, donc on l'a perdu, mais on va le récupérer. Il doit passer du côté de Gache maintenant, au bout de la Baume, et en arrivée, il est à 180, donc ça va aller relativement vite hein, dans cette dernière branche. Alors ici, on voit les altitudes Ouais. relatives de Tu chacun. peux nous remettre la hauteur sur le plan d'arrivée, s'il te plaît, Sam? Ah, pas forcément. Non? Ok. C'est pas grave, on va faire avec. Pour Donc moi. ici, on voit en bas à gauche les altitudes Voilà, Giorgio Matthew et et Giorgio. Giorgio. 1400 mètres à la Motte du Caire en Ventus 3, ça doit rentrer. Bon, Bon, là, on peut se dire que quelqu'un qui est à plus de 100 km heure, forcément, a priori, n'a pas mis de moteur. D'accord. Il perd en efficacité au-dessus des 100 km. Ok. Et dans ce cas-là, est-ce que tu peux nous mettre, par contre, si tu n'arrives pas à voir l'altitude, la distance de l'arrivée? Ah, excuse-nous, on t'en demande beaucoup, Sébastien. Voilà, ça nous permettrait de savoir un petit peu où en est Mathieu, si on l'a, mais a priori, on l'a pas. On n'a que son altitude, 850 mètres, 180. Je pense qu'il va faire une directe, hein, en gros. Donc la question maintenant, ça va plus être qui en deuxième et troisième place. Exactement. Alors les altitudes, Giorgio. Giorgio était plus haut. Alors, ils sont, hein, avec Lucas, ils sont, voilà, on a les plans. Super. Merci, Sébastien. Ah, Giorgio est un petit peu sous le plan, mais on va voir ce qu'il va faire. Voilà. Et LZ, ah ouais, il lui manque un peu moins de 300 mètres. Lucas Mathieu est quand même Villardic. pas très haut, hein, il est 30 mètres au-dessus du plan. Alors, faut quand même être réaliste, hein, 30 mètres au-dessus de la hauteur terrain. C'est ce que j'allais dire, il n'y a Voilà. pas de marge Voilà, il n'y a aujourd'hui. pas de marge. Bon, alors, il y a un petit vent de sud. Un petit vent de sud, donc il va falloir, oui, il va falloir être fin pilote, hein. Ouais. Ce qu'on interdit à tout nouveau pilote, évidemment. Là, ce qu'ils sont en Exactement. train de faire, Voilà. il n'y a pas de marge. Donc on a, alors on a un petit point de report. Vous voyez le dernier point de virage qui est le barrage de Saint-Auban. Point de Ce point de report. report, il a le même handicap? Non, là c'est 500 mètres. Voilà, donc ils passent tous au même endroit sur la dernière branche. Donc point de report qui lui fera faire un petit virage par la droite. Et ensuite, alors bon, ce serait extraordinaire de la manquer parce que maintenant on a des moyens de navigation qui sont quand même très précis. Une porte qui fait 500 mètres de large. Parfois, des pilotes réussissent à manquer des portes ou des points de virage avec des moyens de navigation. Voilà, Mathieu est quand même, bah là, il n'a pas de rab. Hein. On peut dire qu'il n'a pas de rab quand même. Alors j'avoue que je pratique pas très souvent ces arrivées.
J'ai eu une arrivée cette semaine à faire un petit peu basse, hein, donc j'étais un petit peu bas en Arcus. Bon, j'étais plus haut quand même, hein, j'avais 200 mètres de marge. Déjà, le plan est plat. Voilà, quand on est au kilomètre 30, je sortais d'Othon, le plan est plat. Là, le plan est très plat. Voilà. On va potentiellement les voir arriver. Alors là, vous voyez la petite montagne qui est à droite, là. Voilà, c'est le rocher Saint-Jean. Voilà. Le rocher Saint-Jean. Et donc, alors, on a voilà, Mathieu qui se pose devant nous en live. Vous voyez, on a un petit décalage. Et qui passe tranquillement. Donc, il est rentré. Donc, il a donc gagné l'épreuve. Voilà, ça, c'est. Alors, il a gagné l'épreuve avant délogage. À moins qu'il ait raté un point de virage ou quelque chose Qu'il ait comme ça. consommé Trop plus d'énergie. que à quoi il avait le Voilà. droit. Donc ça, ce sera vérifié ce soir sur le délogage, hein, Soaring Spot. Voilà un deuxième planeur. Non, ça c'est un planeur ennemi, je C'est pense. pas, Non. oui, c'est pas un Ça, planeur c'est de d'épreuve. l'activité du CNVV. Ça ressemble Bon, à parce que pour ceux qui ne le savent, ils n'ont pas compris, on est au Centre avec National de Valawal, une voilà. belle vue sur la piste. Voilà. Donc on a derrière eh bien Giorgio qui doit pas être loin d'arriver, puisqu'il a un petit peu d'avance quand même sur Jarner, vieux discus. Joli, joli perf, je pense. Si ça se Alors, confirme. ok, au niveau plan, ils sont similaires, Oui. mais le duo discus au niveau de la distance qui lui reste à parcourir, est-ce qu'on a une idée? Où est-ce qu'ils sont? Ok, Luca. Ouais, duo discus va être un petit peu short. Alors, juste une petite information. Interdiction d'utiliser le FES entre le point de report et la porte d'arrivée. Donc, si eh ben, un pilote s'est un petit peu raté sur son arrivée, eh ben, c'est compté. C'est alors, c'est disqualification, Sébastien? Pénalité. Ok, donc c'est des points de pénalité s'il doit utiliser. Alors, bien sûr, pour sécurité, je les engage fortement plutôt que de finir dans des arbres. Ça, c'est une évidence. Il y aurait des pénalités, donc pour ce potentiellement, ils descendraient dans le classement. Bon, on a un peu oublié nos amis Anglais, anglophones. yes. Yeah, so we forgot to switch to English. As you can see, first pilot you have landed is Matthew, and we were wondering about how things were going to pan out for the second, third position. Yes. And we made the remark that the dual seater. The DG Echo is which one? I want to make sure I don't make a mistake. Is the dual discus or the It DG was for 1000? me to discuss, but I think we have some delay, in fact, on the screen. And during our speaking just before, Matthew landed when he were only on report point. So we have a little delay. We're not live. I mean, we're not like a real time, I should Yes. say. So, what do you think? Who's gonna be second? It should be Giorgio Galletto. Giorgio Galletto is on the final glide. So, low final glide for me with 50 meters above the glide. At 160 kilometers an hour, so Yes, it's usual for this kind of contest. They perform a low final glide. Until the gate to aucun exploit but I didn't lose the word pour ne pas cool. gâcher d'énergie to not lose energy in fact in the final glide. To not waste any energy, Yes, yeah. yes. By the way, I'm just checking on my phone. Tilo, I think he's Ah still yes, Thilo, where is Thilo? quite behind. He's going up Ah the good. way you said he would. Yes, okay. Kilo, we can face, so climbing slowly, 100 kilo. Unlike the others, he's going north. Yes, it's a little bit late, no, but it was a bet, Now, what's his altitude? Kilo is at, 1137. So he probably had a very weak thermal. yeah, of course, we will continue in Bonsistron, city, in La Baume to find another one and to go to the See, north. and he's getting to the area where he's probably going to get better Yes. thermals. He will perform the task, but I think it should be
The last to cross Rival Gate. So, yep. Ooh. Oh oui, so we find now Giorgio, so the second one to finish the task. So 800 meters, it should be 50 meters above the final glide. So no problem for Giorgio and Ventus 3, very good glider. And Matthew, let's remember he's playing on the S8, LS8, yeah, older one, older one. quite older than the Yeah. Ventus 3. Say there is a approximately 80 meters, there is a yes, more than 20 years of difference. And he's not a local pilot. How much you fly in the sea also? Oh yeah, Yeah. okay. He knows the area well then. Yes, Yes. also. Yes. So Giorgio will be the second one. All this result will be official on the Soaring Spot internet page. Okay, and we have just behind, I think this is Yarné. Okay, so No, this is not Yarné. We have I two think other there's glider. a very tight race for third place between Echo, DJ, Eco, Wimperdent, Juan Manzolo, Limazoro, and yeah, and Lima Fox. and Lima Bravo. Ah, oh, Lima Bravo is So very low above Sisteron. So Lima Bravo went back. He was ah. So we have Giorgio Galletto arriving just ahead of us. So okay, Giorgio, normally second one. And we saw just on the right of the screen. Thanks for Sebastian. Yeah, thanks. And we have so Luca Benedict. Luca Benedict was I remind you was very low in Lamotte du Caire, and now he's on Labeaume. 850 meters on Labeaume, surfaces should work. He will climb slowly, but I think he will be in Seb, can you let us see who can be getting the third place? Because it's very tight, I guess, between Echo, Lima Fox, and So as you can see, we have 2 minutes of delay, in fact, on the screen. So I was wondering about altitudes. Echo 800, Lima Fox is 748, and their Echo is a bit ahead. Very, very Yes, ah, tight. yes, very, ah, very nice. A good So view. we'll try to switch on the camera the runway to see the arrivals. Lima Fox 920. Oh, Luca 713 and Max Okay, you can 758. save. You can. There is the two lidar in final glide. Look on the left, Mana. So you can switch on the yes, on the TV on the airfield, please. As we can see, so two free gliders reaching the gate, and it should be. We'll say that after it should be so Echo and Lima Fox. And after that, this is Lima Zulu. So very good task, very good task with a DG 100. Really? And now the thing we don't know is Yes, of course. how much battery they've used. Of course, but very good task. As you can see the glider reaching right Yes. now, just above the runway. Two gliders landing. And yes, very nice. Oh, and they're going that was just a low Low pass, pass, yeah, and they're for the turning around. final turn. So we should see them land. If we keep that view. Yeah, we keep that's you. We have another sign to check. So how's the rest of the pilots doing? Anyone having difficulty staying We had so Lima Bravo, very low, very very low in Labo, but no problem. 760 meters. Okay, Yes, they glider landed. landing. So this is DG 100. Should be the it should be the third one. This is Lima Fox. And Force One landing directly. Yes. Do we see here? I don't know if it's one of the race gliders.
Oh, it's Luca, Lima's group. Yes. Lima's group with force, I guess. And we have Lima Bravo, leaving so La Baume. No, just above Volon, Maybe in final interesting line. that the view of where everybody's at. Tilo reaching La Motte du Caire. And so his altitude is 1,000 meters, delta 300 meters above, and And we will see Lima Bravo reaching a direct, I think. Papa X-ray is 1460. Yeah. So Papa X-ray, this is a shark, also three or four. the second shark of the Yes, race. yes. So Lima Bravo reaching in final, I think. I don't see him. He's very low. Six. Yeah, should be. Peter told me his objective for the day was to finish the task. Okay. He's not a competitor like I flew with Peter 2 days before. It was the first flight in this area. Oh, so he doesn't know the area. Yes, we discovered together with a north wind. So it's a different weather today, slight south wind. But I explained it on the grid. It should be different to go on the ridge, to go on the rocks, to find a little German lift. So he performed a good task. This is his first flight, in fact, second flight in solo In the in area, Europe. Yeah. yes. So Lima Bravo should be there in a few seconds. We look outside. Now, I wonder if in the technology, would it make sense at one point in time, and I'm looking at Seb, who's a techie, to have a report of the power consumed? Because the IGC files that And will be sent to us will have an indication of how much power has been used at what time. So probably it would be possible. Technically, it is possible to get this data live Okay, this is Lima someday. Bravo in La Paz, Yeah. just above us, and we'll find it in a few seconds on the screen. Ok, on repasse un petit peu en anglais, on Okay. est en français du coup, donc on a eu un petit peu dans toute l'arrivée là. Le Lima Bravo vient de revenir. Alors au nord, il nous reste quoi? Donc potentiellement, Matthew Scudder est le premier. Oui, potentiellement, sauf Voilà. s'il y a quelque chose qui va pas sur Ju le l'IGC qui jusqu'au sera envoyé jusqu'au délogage, hein, bien jusqu'au sûr. scoring. Voilà, jusqu'au scoring. Le second devrait être Giorgio Galletto. Donc, c'est deux pilotes extrêmement bons hein, déjà en montagne. Et alors, on vous l'a déjà dit, hein, c'est un petit peu différent comme philosophie avec Un le planeur FES. pose. Voilà, c'est le Lima Bravo. Vous allez voir en direct à l'écran. Voilà, il passe derrière le sapin là. Donc, c'est toujours sympa. Voilà, vous voyez, c'est notre vue hein, sur le terrain. Voilà, donc le Lima Bravo, Aventus 3. Qui a fait un passage bas là, sur la Baume et qui a assez vite récupéré, qui est arrivé bien Quel est en le pilote du Lima haut. C'est Bravo? Lucas Benedict. J'ai également volé avec lui pour faire un petit tour de la région là. Il a découvert, donc très bon pilote hein, de mon point de vue. Et aucun problème particulier. Alors les pilotes qui restent, Nicolas sur le Détroit, Delta 3 est aussi un pilote du coin. Oui, bah Il oui, est basé à avec Fayence. ton planeur. Voilà. Voilà. Il connaît très très bien la région. Ah oui, les faïencés, hein, c'est un gros club de circuiteurs, faïence. Et puis Je connais pas beaucoup les autres clubs, mais oui, il y a pas mal de circuiteurs. vous avez un gros représentant en faïence. Baptiste, Ben hein? oui, Ah oui, bien Baptiste. sûr. Baptiste qui quand même Baptiste Innocent. fait des performances assez ahurissantes, avec une analyse météo qui est extrêmement pointue. Ouais. Voilà. Il sait souvent, il fait des vols incroyables en exploitant l'onde, pas juste pour prendre de l'altitude, mais pour Voilà. faire des distances Voilà, Londres en début de incroyables. journée. Baptiste, cette année, alors on fait une petite aparté, mais Baptiste a fait un essai d'homologuer 1 500 km hein, cette Ouais, année, en triangle sur la France. Donc je crois qu'il avait décollé vers 6 heures du matin.
mois de juin. En autonome, il me Voilà. semble, hein, sur son Nice H31. Voilà, 6h du matin, il a fait 14 heures de vol ou quelque chose comme ça pour se poser à 20h après 1500 km. Donc Quand un même. vol extraordinaire. Voilà, moi je tire mon chapeau à ce genre de pilote qui en fait exploite jusqu'au bout les conditions que nous donne la nature. Oui, et une remarque que je suis souvent fait, on ne le voit pas hein, dans les Non. compétitions. Non, lui, non, lui, alors Baptiste, lui, alors il a fait partie de l'équipe de France junior. Alors je vais pas dire de bêtises s'il nous écoute, hein, je vais pas, mais je crois qu'il a fait partie de l'équipe de France junior. Et j'en discutais avec Roger, le chasse pilote, ils se connaissent bien. C'est non, Baptiste, ce qui l'intéresse, c'est les longs vols. C'est pas faire de la vitesse, etc. C'est les longs vols. Et j'avoue que je rejoins sa philosophie du vol, Baptiste, si tu nous écoutes. On se connaît pas, mais bon, j'avoue que c'est extraordinaire d'utiliser tout ce que nous donne la nature de cette manière. Tout à fait. Alors, 3V, 3 Victor est à 1200 Voilà, mètres. alors, il faut tirer, hein, on revient dessus. Là, il gratte, là, il est à quelle hauteur sol, à ton Ah, avis? il est sur Gâche, hein. Il est sur Gâche, donc il est en dessous de la crête, hein. Gâche étant vers 1400 mètres. Voilà. Alors il faut tirer un petit coup de chapeau quand même à Benjamin, dans le 3 Ah Victor. On revient dessus. Benjamin n'a pas de système fesses à cause d'un problème d'assurance pour son planeur. Donc il vole sur un autre planeur, très performant, un Ventus 3, hein. Mais donc il a fait tout le circuit en planeur pur. Connaissant Benjamin, c'est pas étonnant. Benjamin qui était formé dans le Nord-Est. Toi, je peux mettre une petite pièce là-dessus, hein, du côté de Nancy, dans le club de Pont-Saint-Vincent. Moi, je viens du club juste à côté de Nancy-Malzéville. Alors, c'est quoi, t'as le premier scoring, c'est ça, Seb? Yes. Okay. Donc, pour revenir, on avait Alors, dit qu'est-ce qui nous reste là, qui est encore en vol? Mathieu Giorgio, et le troisième, j'ai oublié, je crois que c'était le Echo, je Il me pense. semble, On hein. a un doute, en fait, puisqu'on a trois planeurs qui ont passé la ligne en même temps. Donc, on a un petit doute sur qui est le troisième. Et qui reste en vol? Donc, 3 Victor. Eh bien, Benjamin Néglet. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On À a. l'écran, on a le Fess, c'est Thilo. Delta 3, c'est Nicolas Bernard. Oui. Et Papa Papa X-Ray, c'est Extrait, c'est Peter. Peter. Peter Donc, Fritz. en termes de modèle, oui, le 3V, donc un Ventus 3, Oui. Discus 2C pour le le FES. FES et deux Et de Sharks, Chartres, Delta voilà. 3 et Papa Extrait. Donc Thilo a viré, hein, qui a chapeau. Oui, Thilo il a a bien viré. rattrapé, hein. Impressionnant parce qu'il était, Il était pas très haut. il est toujours pas haut. Alors là, Thilo passe sur le Hongrie. Alors le Hongrie, c'est une petite bosse qui est juste à l'est du terrain de Sisteron. Généralement, qui sert à se rattraper quand on est bas dans la vallée de Sisteron. Il fonctionne, hein, ça marche le Hongrie. Mais on n'y va pas de notre propre chef, à part quand on débat à Sisteron. Et là, c'était intéressant, je pense que Delta 3 a un petit avantage d'altitude par rapport à Fess. Oui, 500 mètres. Là, il y a 200 mètres, enfin Ouais, donc 150 mètres. Oui. Attilo je sera pense obligé qu'ils de. ont des performances à peu près similaires. Alors, je ne sais pas quel est leur handicap, tiens, mais peut-être pas, non. Hein. Le handicap du Discus 2 par rapport au Shark. Je ne sais pas si on peut trouver ça facilement. Bah, tiens, sur ton écran. Alors, 119 et le Discus 2, kilo 113. Ah oui, quand même. Donc, ouais, il y a quand même 6 points d'écart. Ça va être intéressant de voir. Ouais. Tiens, je me faisais la remarque. Mais bon, de toute façon, il n'y a plus de handicap, là, en tout Non, cas. non, non, Voilà. non, non, Hein. non. Mais je me pensais Oui, plus à c'est la sûr. Tout à performance fait. Voilà. Ouais. et à la finesse qu'ils peuvent espérer avoir d'ici l'arrivée. Benjamin Néglet, lui, il est confortable sur le plan. Hein. Il est à 1000 mètres Ah en arrivant à Salignac. Il n'y a aucun souci. oui. Lui, il n'est pas bas sur le plan. Il pourra même faire un tour de piste standard. Alors, on parlait des deux Sharks HPH, qu'on voit rarement sur des podiums. Ils sont très rarement, enfin, mon observation, même concurrents dans des compétitions. Mais. Par contre, j'ai trouvé ça très intéressant de voir que le Twin Shark, Oui. A fait vice-champion du monde. voilà, Oui, il y a j'ai vu. juste quelques jours. Oui, bien oui, oui. Je pense que ça va donner un peu de visibilité à la marque. Oui, au championnat du monde biplace 20 mètres. Ils ont pendant quelques jours été en tête aussi. Alors le Twin Shark, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le concurrent de l'Arcus. Donc l'Arcus, hein, société Schempierre, c'est quand même, enfin c'est la, pour tous ceux qui en ont fait, c'est la Rolls du biplace actuellement. Avec des performances quand même extrêmement intéressantes.
Donc, le Twin Shark, qui est sorti il y a quelques années déjà. Alors Ouais, là, je tout ne connais récent. Il n'y pas. a pas beaucoup, beaucoup en D'accord, ok. production. Et ben donc ce hisse à peu près au niveau du. Ben, même ce hisse au niveau des Arcus, hein, puisqu'il y avait beaucoup d'Arcus derrière le Twin Shark. Ouais, c'est le, enfin, tout le reste du podium, enfin, Oui, il y une avait grosse peut-être un majorité était SG32, Arcus. enfin Ouais, voilà, mais voilà, une grande ouais. majorité. Et bon, je suis le HPH un petit peu enfin, de près. Et j'ai souvenir d'avoir lu un petit article de Sébastien Kawa, qui, en Afrique, avait fait un retour. Il s'est retrouvé à la même altitude qu'en Arcus et est arrivé avec une belle marge de quelques dizaines de mètres par rapport à l'Arcus. Il était assez élogieux sur le Twin D'accord. Shark. Ok. Alors, Thilo est passé devant Devant, mais à 900 mètres quand même. Nicolas. 900 mètres, 100 mètres, 100, 200 mètres plus bas. Mais Thilo est plus agressif, je Ouais, pense. ouais, ouais. Et Et c'est son planeur. Nicolas ne vole pas sur son Ok. planeur. Merci d'être prudent, Voilà. Nicolas, avec ton planeur. Voilà. Et Peter, derrière, bah, finira normalement à 1100 mètres, hein, finira l'épreuve sans souci particulier. Il devra peut-être s'appuyer un peu sur les bosses, mais ça va le faire. Bon, quelques mots en anglais peut-être. Yes, for the last We, yeah, I'm not sure we'll cover four here. everything, but one comment was that Benjamin has to be given credit, three Victor, for flying without electric motor. He's on a 3V turbo. So very nice flight. We were wondering about who was going to finish next between Tilo on Fess and Nicolas on Delta 3. I made the comment that Manu was saying Tilo tends to be pretty aggressive, and it's also his glider. And if he Yes. breaks a glider, or if the glider needs a little bit of And repair, the glider of Nicolas is mine. my So thank you, glider. Nicolas, for playing it safe. But he could still become let's see how it pans out. I don't know if Delta 3 will lead or not. Delta 3, I mean. Altitude Delta hasn't changed, so I don't think it's live. Yeah, because we were looking at the same 1096. Tilo should be in front because he will reach a low final line. He practiced all previous week during the Grand Prix in Vinon, Yeah. so he had the plan. He know it. He know it. Yeah. I think it should be Tino. And Tilo perform a beautiful last branch because Recovery from I remind you, he was really, really low on the second branch, and he fly back to the north by Durance Valley, and it's a beautiful end of flight, really. yes. Okay, we have three Victor reaching, I think. So Benjamin Aigle perform all the tasks without electric engine Yes. due to an insurance problem with his glider. And crossing the line from now, say reaching with our low pass 500 meters before the arrival gate. Do we have an idea of the average speed of the Matthew for the task, or not yet? I can see. Oh no, we don't have it. Okay. So who's landing? And we have this Benjamin performing a low pass. Yeah, So with Aventus 3. he was really high. Yes, nice. You saw it. Very nice. And the three last pilots, so Tilo, Peter, and Nicolas will reach the final ride soon. Okay. Je pense qu'on peut prendre l'antenne tranquillement. Ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses, voilà. Les trois derniers arrivent, on va aller les accueillir. Bonne idée. Oui, donc, notre scoreur, Sébastien, tu veux te faire voir quand même? Il a manipé pendant 2 heures à côté de nous. Donc, juste pour qu'on sache qui était avec nous. Voilà, donc Sébastien fait le scoring également hein, en même temps. Donc, Un petit. grand spécialiste du scoring. Voilà. J'ai participer au scoring avec Sébastien sur certaines épreuves Condor. D'accord. Petit règlement, petit point de règlement. Les pilotes doivent envoyer leur fichier une demi-heure après Voilà, s'être un posé. planeur.
Donc, finalement. et franchement, Oui. Qu'est-ce qui se pose là? c'est Thilo, je pense. Ça ressemble à Thilo. Ouais, je sais que ce n'est pas le chat parce qu'il Non, a c'est Thilo. un. Oui. Donc cet îlot, il devra avoir un delta 3 juste derrière. Et Sébastien vient de calculer la vitesse sur la tâche de Matthew qui est de 104,3 km/h Belle perf, alors bien pour une sûr. petite journée. Oui, petite journée. Bon, il y a le moteur à aider un petit peu hein, sur certains passages délicats. Mais 104 km/h, je rappellerai que quand enfin, j'ai décollé en début d'après-midi, le premier avario que j'ai trouvé était à 1,5 m et s'arrêtait à 1 500 m. Voilà, pour un plateau qui est de mémoire à 800 m, donc il y avait 700 m Et en ton haut. mètre et demi, c'était sur un planeur non chargé, Sur j'imagine, un planeur non pas chargé, lasté. exactement, exactement. Donc voilà. Et ouais, ils sont tous partis à 45. Papa X-Ray, lui, a décidé de pas charger, donc pas D'accord, ballaster, ok. si je me suis pas trompé. Je pense qu'il devait pas avoir de ballast du tout. Non, Papa X-Ray, je l'ai pesé ce matin, il lui restait 20 litres, il avait encore 20 kilos de marge. Donc il D'accord. était ballasté, il a dit c'est pas D'accord. grave. Voilà, donc une belle épreuve, intéressant. Une météo qui était bah, pas facile, je pense. On va aller discuter avec les pilotes. Et bien, on se retrouve peut-être alors demain. Je ne sais pas si je serai avec vous demain. Moi, Mana je ne sais que sera je pas ne là. serai pas là. Voilà. Et ben, si ce n'est pas nos successeurs essaieront de faire sinon aussi bien, peut-être mieux. Voilà. Bon, un gros handicap, enfin, pour le reste de l'épreuve, pour Thilo, qu'on pensait voir, enfin, personnellement, je pensais voir un petit peu mieux classé pour la première épreuve, hein. Oui, alors je pense qu'il arrive un petit peu moins avec le couteau entre les dents. Il sort d'épreuves là où ils sont allés chercher très très bas. Là, on les avait passés une paire de fois là, très très bas sur les montagnes. Bon bah là il est allé chercher bas aussi, mais il vient plutôt en mode plus cool. Ouais. Ah bah non, c'est le Ventus 3, on est bête, c'est Benjamin Naglet qui s'est reposé. Voilà. Ok. Oui, ah bah attends, non, non, non. Alors moi, je suis curieux de voir là Le sur 3, là, il le arriverait, c'est vrai. tracker, on a Delta 3 devant Fess avec quelques dizaines de Bah, mètres de eh ben, il plus. devrait arriver devant, hein, pas de souci. Donc là, à couteau tiré entre les deux. On les voit pas encore en bout de piste, mais ça ne devrait tarder. Ah non, ils vont passer le point de Ouais, ça va pas point tarder. d'abord. Ouais. Donc a priori Delta 3 devant Fess. Un Sharp et un Discus 2. Voilà. C'est parce que je suis émotionnellement attaché au Sharp et on traîne un peu. Mais je regardais, c'est une belle petite machine, hein, c'est C'est un très très beau planeur, très bien fini, sympa. très ouais, confortable et suffisamment performant. J'espère que HPH aura un petit peu plus de succès en France. Je pense qu'il se positionne un petit peu sur la même catégorie que LAC. Les gens qui hésitent entre un LAC 17 et un Shark, je trouve que c'est mieux fini. C'est un point de vue très personnel, hein. Alors, ils ont passé le point de remport. Il nous reste Ouais. Papa X-Ray Et ben contre voilà le toi. Sharp en finale. Voilà, le chat. Et on voit Thilo derrière avec la LED frontale. Ouais. Voilà donc les deux des trois derniers pilotes. Vous voyez donc le Delta 3 qui arrive là sur votre écran et qui se pose. Et je sais pas à quelle vitesse arrive le Ventus, est-ce qu'il va faire Le une Discus 3, ressource, il un semble être sèchage? en passage, il n'a pas le train sorti. Donc vous allez voir le Discus 2, Thilo Oligos, qui va apparaître à gauche, juste derrière le sapin. Voilà. Vous le voyez arriver en passage. C'est bizarre, c'était pas. J'ai pas vu Fess derrière. Mais ça doit être lui, hein. Ça ne peut être que lui. Alors, sur GliderNet, oui. Oui, c'est lui, oui. Voilà, j'ai aussi l'ordinateur en même temps pour suivre tout ce qui se passe, parce que c'est un peu complexe, il y a pas mal d'informations à donner. Et ben, une belle petite épreuve, alors 160 km. Bravo à Roger.
trouve, qui a taillé ça. Donc j'ai dû réduire avant le décollage, puisque la condition était vraiment très difficile. Puisque je crois que ce matin, il y avait une épreuve de 260 km de mémoire. Donc il a un petit peu taillé dans le vif. Et ça permet à tous les pilotes normalement de réaliser l'épreuve. Hein. Il n'y a plus que Peter hein, qui est en vol, qui est à 1000 mètres et en arrivant du côté de Bologne. Donc il est en Tranquille. local de Saint-Aube, pas de souci particulier pour lui. Bien. On va quitter l'antenne. On quitte l'antenne. Merci Manu. Merci à toi, Thank Mana. Merci Sébastien. Un petit coucou, Sébastien. Et Voilà. on se retrouvera Dernier donc. planeur qui se pose. Voilà, on se retrouve demain Yes. pour la deuxième journée de cette épreuve, E4Glide, qui est fort intéressante. Merci à Allez. vous, une prochaine fois. À bientôt, ouais. On va voir avec le dépouillement aussi l'utilisation des batteries qui peut affecter Le classement le général. classement Le classement, préliminaire. tout à fait. Voilà. Allez, bonne fin de journée. Au revoir. Oh yeah, en Allez, anglais, Sébastien nous dit now we're waiting for the scoring and the use of battery by the different pilots, which could affect the preliminary results where we have Matthew first with lap Giorgio one. Giorgio on and Yaki Yarnek on Lima Fox. Yarnek and on Duodiscus. So very good flight, I Yes, think. On very good. Duodiscus. Okay. Okay, see you, bye bye. Thanks for listening. Bye.